Pourquoi avoir créé une légende, Régine? C'est aussi bien que moi que, qu'il faut des légendes. À tous les gens qui sortent un petit peu du rang, il leur faut des étiquettes ou il leur faut des légendes. Alors plutôt qu'on me les fabrique, je me les suis fabriquées moi-même. 2 mois sans voir le jour. J'ai l'habitude de dire je suis entièrement allergique à l'air pur. C'était une de mes phrases clés pour la... Comme ça, ça plaisait beaucoup à la presse. Ça faisait un titre. Régine est allergique à l'air pur. En vérité, j'aime beaucoup la campagne. Régine vit le jour, alors. Régine vit le jour, bien entendu, puisque pour la chanson, je travaille dans la journée et il n'y a pas de problème, la journée, c'est la journée. Il y a des jours avec soleil et des jours sans soleil. On Friday night, my friend Zoa puts on her mink and chinchilla. Les êtres qui se réfugient dans la nuit sont en principe des gens qui ne sont pas sur deux. C'est déjà la première chose qu'on devrait savoir sur les noctambules. Ce sont des gens qui sont angoissés, effectivement. Et peut-être que la nuit, les problèmes paraissent moins difficiles, ce qui est faux. Parce que moi, j'ai appris avec la nuit que pour vivre la nuit, il faut être très solide. Il m'a laissé 2 cigarettes et le disque des feuilles mortes. Je crois que je suis une chanteuse des rues. Le choix d'une chanson, c'est d'abord qu'elle me corresponde, bien sûr, et qu'elle soit humaine et chaleureuse, ou peut-être avec de l'humour, enfin, tout dépend des chansons que je décide de choisir. Je crois qu'elles ont toutes un lien de tendresse, en tout cas. Et l'absence commence, je suis là et je veille, j'écoute ce silence. Étais-je donc si vieille? Étais-je si vilaine pour n'avoir plus d'amour? Sont-elles si anciennes mes lettres d'amour? Le temps n'est plus des madrigaux, je pleurerai une autre fois. Moi je me sens les mœurs tango et que le diable l'accompagne. Et je vais boire du champagne. Seul pour une fois. Je puisse bouger sans que ça donne une découverte. Comme longueur, non, je ne gênais pas encore. Comme longueur, ça a peut-être encore un peu court, tu me sens une bonne idée. Ah non, je ne voulais pas que je puisse marcher dans le ciel. J'ai été une petite fille qui tremblait, qui avait peur. J'en suis sortie, mais en fait, est-ce qu'on en sort vraiment? Est-ce que j'en sors vraiment? Je crois que je ne pourrai jamais en sortir. Je crois que j'aurai toujours, malgré moi, une trouille permanente. Je n'y peux rien et je crois que je ne veux même pas lutter contre ça parce que c'est peut-être pour ça que je peux chanter, c'est peut-être pour ça que je suis ce que je suis. Et je crois qu'il ne faut jamais renier ce qu'on est avec les bons, les mauvais côtés. Je suis un personnage, je veux l'être en plus. Je suis discutée et dans le fond, je crois qu'il faut être discuté pour être un personnage. Il sort toujours quelque chose de la discussion. Et au bout de tout ça, eh bien, il y aura la vérité, quoi.